Salut tout le monde, c'est Maflex Grandiose et aujourd'hui on se retrouve pour le canular numéro 2. Donc enfin cette vidéo va sortir, vous l'attendez tous. Donc voilà, on a pris énormément de plaisir, on a vraiment rigolé. Donc je suis avec quelqu'un et c'est qui? Eh ben, c'est Johan, comment allez-vous tout le monde? Bon ben Joanne, c'était un petit dernier mot à dire. Eh ben, clique sur j'aime et t'auras un aime. Non, plus sérieusement, si tu aimes la vidéo, clique sur j'aime, ça nous fait vraiment super plaisir. Et si jamais ça nous fait plaisir, il y aura peut-être d'autres canulars. Et voilà. Voilà, bon ben on vous souhaite à tous une très bonne vidéo, et on espère que ça vous plaira et cliquez sur j'aime si ça vous a plu. Allez, ciao tout le monde, ciao Et Joanne. bon nouvel an chinois. Oui, bonsoir mademoiselle. Je vous appelle pour faire part d'un problème qui m'habite depuis 2 ans. Donc voilà, donc j'ai un problème récurrent avec l'alcool. Je bois une boisson chinoise très très forte à plus de 47 degrés pour son alcool et ça me ronce de l'intérieur. C'est le Mafia Grandiose. Ça me fait vraiment très 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 mal. Donc voilà, je voulais savoir comment me sortir de cette impasse. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en sortir? Moi, je suis perdu. Si je n'en bois pas pendant plus de 6 heures, je me sens mal. C'est comme d'être accro à une cigarette, vous vous rendez compte? Ouais, vous n'avez pas l'air très très inspiré. Si vous voulez de l'aide, je peux vous donner les coordonnées d'un centre d'addictologie. Ah non, ah non, 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 non. Non, moi je ne veux pas qu'on sache que je suis alcoolique. Voilà, donc je vois que nos essences sont particulièrement maladroits, donc je vais peut-être me présenter. Je m'appelle Li. Li Changpeng. Je viens de la contrée de Shantung, à côté de Shanghai. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc Non, voilà, donc maintenant que les présentations sont faites, je voudrais que vous m'aidiez, madame. Je vous en supplie. Qu'est-ce que ça vous fait qu'est-ce que vous recherchez dans cette consommation d'alcool? Peut-être les effets secondaires. Ça me permet d'avoir une érection plus facilement. Ma femme est plus heureuse comme cela. Mais ça me permet aussi d'oublier tous mes soucis du quotidien. Non, pourquoi arrêter? Écoutez, madame, si je vous appelle, c'est pas pour me dire d'arrêter, s'il vous plaît, ok? Je sais qu'il faut que j'arrête, mais il me faut des moyens d'arrêter. C'est comme si quelqu'un qui est accro à la cigarette arrive, fait bonjour, je voudrais arrêter. Et la pharmacienne, elle lui dit, arrêtez la cigarette, monsieur. C'est mal. Le mec va pas s'arrêter, hein. Non, mais il faut réfléchir dans vos têtes, ma petite dame. Et vous pourriez peut-être arrêter de faire des blagues, hein? C'est drôle à un moment Voilà. donné, mais c'est Oh, vrai qu'au bout d'un moment, c'est la deuxième fois que j'appelle et deux fois qu'on me dit que c'est de l'ironie. Je ne suis pas ironique. J'ai besoin d'aide. Ouh, ça m'énerve. Par la puissance de Shanghai et de la Essayez contrée de d'appeler seul Liantong. sans vos amis, c'est plus de rire Bon, d'ailleurs. excusez-moi. Là, la contrée de Chantou. Ouh là là, ouh, Sangoku. Ouh, je me sens plus. Oh, je vais boire un coup de Mafia Grandiose. Attendez. Je pense que vous devriez Oh, faire appel à moi. Sangohan ou Tortue Géniale. Allez, Ah, là, bonne vous partez un journée. peu loin, madame. On n'est pas dans les blagues pourries Vous ici. partez très très loin aussi. Excusez-moi, mais ces blagues que vous venez de faire, madame, c'est nul. Écoutez, on va Je remédier à m'en ça, madame. repens, je suis navrée Madame, d'avoir madame, été mal madame, finie. écoutez bien, débouchez-vous les oreilles, prenez un coton-tige. Madame, prenez un coton-tige, vous tournez. Coton-tige à gauche. Coton-tige à droite. Alors Vous maintenant, tu remercie m'écoutes. beaucoup pour ces conseils d'hygiène Non mais originelle. madame, vous vous rendez compte de l'ironie de la situation actuelle? Je Oh, viens mais vous je m'en demander de rends l'aide compte. et c'est vous qui en avez besoin. Je vous aide au niveau des blagues et vous m'aidez en rien en retour. Ouais, je suis navrée. Bah au moins présentez-vous à moi. Je ne peux Vous pas m'avez vous même pas dit donner mon votre prénom. prénom. Je ne peux pas. Bah dites un faux prénom. Ça cassera la Quand pluie même. entre nous deux. Je Mais pas m'appelle vraiment Li. d'intérêt. L4IEY. Ching-chong. Tshiebs. Ching-chong. Comme ça se prononce. Été Madame, ravie de vous faire votre m'aidez. connaissance et je vais vous souhaiter une bonne nuit. Madame, on pourrait peut-être se rencontrer plus tard. Non, No je ne notez pense mon pas que ce prénom, soit notez mon prénom. Li. L-I-I-E-Y. Chong. J'ai bien compris. Tshiebs. Vous l'avez noté? J'ai noté. Oh, madame, vous êtes formée, madame. Je vais vous appeler Corinne. Vous serez ma Corinne à moi. Si ça peut vous faire plaisir. Allez, bonne Ben soirée. écoutez, Corinne, on se dit ce soir 21 h, ok? Allez, 21 h, très fort. J'amènerai ma bouteille de Mafia Grandiose, ok? Voilà. Ben Corinne, je vous salutation et je vous fais un gros bisou sur les fesses. Au revoir, Corinne. Allez, au revoir. Au revoir. Bisous. Oh mais... Allez, ça là, c'est...